Salut tout le monde, c'est The Frag HD, comment allez-vous? Écoutez, moi je vais super bien, donc aujourd'hui on se retrouve pour la nouvelle série que j'ai nommée J'ai envie de parler. Alors les gameplays que vous aurez sous les yeux, c'est du Call of Duty, pas forcément que du Modern Warfare 3, il y aura aussi un peu de Black Ops par la suite. Et là vous vous dites, putain, une vidéo de 16 minutes à peu près, oh non mais là moi j'ai pas la foi de regarder la vidéo en entière. Alors ça c'est la première chose qu'on peut se dire. Moi personnellement je vous conseille de la regarder en entière parce que c'est la première série, le premier épisode si on peut dire ça. Donc vous devez un petit peu de suivre le premier épisode et de voir tout simplement si ça vous plaît. Donc en fait, dans cet épisode, je vais évoquer à peu près, on va dire, 2 à 3 sujets. Et par la suite, et c'est là où ça vous concerne spécialement, c'est que si par exemple les 2 ou 3 sujets, les sujets que je vais évoquer vous plaisent pas trop, et bah vous avez la possibilité dans les commentaires de cette vidéo de me proposer d'autres sujets auxquels vous aimeriez que je parle, pour qu'après, par exemple, j'en parle dans un prochain épisode. Voilà, c'est l'objectif, ça vous fait participer, comme ça tout le monde est content, et puis ça pourra vous servir. Donc premièrement, j'ai 3 sujets, je vais vous les dire d'un coup. Alors déjà, comment ma chaîne YouTube a commencé, premièrement. Après, les différentes vues, vous remarquerez qu'on n'a jamais les mêmes vues, enfin pas autant de vues, par exemple en faisant du Battlefield ou du Uncharted 3 que du Call of Duty, principalement Modern Warfare 3. Et aussi je vais vous donner quelques conseils pour bien débuter sur YouTube, en tout cas vous dire comment moi j'ai démarré. Alors je vais commencer par ça déjà, les conseils sur YouTube, puisque je sais que tout le monde ne restera pas à la fin, ce qui est un peu décevant, mais je pense qu'il y en a qui resteront. Et donc en tout cas les conseils, moi ce que je vous conseille énormément déjà, c'est que de nos jours c'est vraiment compliqué de se faire connaître, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se lancent dans les vidéos, que ce soit vidéo commentée ou gameplay avec de la musique derrière. Et c'est vrai que pour se faire connaître maintenant, quand notre chaîne elle est peu vue, qu'on a peu de vues sur les vidéos, bah c'est compliqué. Alors moi, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu la chance d'avoir un ami que je connais en vrai, hein, très bon ami même, le Faucon Noir 13, hein, je me dois de dire son nom parce que je lui dois énormément. Ce gars-là, en fait, particulièrement, il ne savait pas, il s'était pas vraiment encore lancé dans le commentary, il avait un peu moins d'expérience que moi. Mais par contre, son niveau, il faut pas contredire, je veux dire, il joue juste merveilleusement bien. C'est pas du suçage de queue, je sais qu'il y en a qui vont rigoler parce qu'on me l'a sorti sur Code QG. Non, il joue, franchement, il joue bien, faut dire ce qu'il est. Donc, grâce à lui, j'ai eu la chance de pouvoir commenter en double commentary derrière ses gameplays et de passer environ 5 fois sur Code QG. Après, je suis passé aussi une fois tout seul. Mais parce que si vous voulez, sur Code QG, quand vous passez 2 à 3 fois, vous voyez que le public, hein, les gens qui regardent votre vidéo, vous apprécient plutôt bien. Et bah, ils sont incités, ils disent à The Frag HD, bon bah, on va le re-uploader, il était plutôt bien apprécié. Donc voilà, quoi, on va pas trop hésiter, on va le re-uploader. C'est pour ça que des gens de nos jours qui veulent passer sur Code QG, qui ont peu d'abonnés, hein, je pense à un ami feignasse qui aimerait passer sur Code QG, si vous voulez, quand vous avez encore peu d'abonnés, bah Code QG, ils sont plus tentés à uploader des gens qui sont un peu plus connus, hein, qui ont un peu plus dans les 500-600 abonnés, je dirais, pour commencer. Donc voilà, vous avez toujours Code Save. Donc voilà, ce que je veux dire, pour bien commencer sur YouTube, c'est compliqué. Déjà, faut faire des vidéos par amour, non seulement, faut essayer vraiment de jouer sa vie sur des parties pour proposer des bons gameplays à vos abonnés. Ça, c'est indispensable. Et puis après, si votre gameplay est vraiment excellent, mais pour Code QG, Code Self, faut quand même un gameplay excellent, c'est le mot. Et que votre commentary, vous recommencez 15-20 fois, peu importe, mais que vous êtes fier de ce que vous avez fait, vous demandez l'upload à Code QG. Après, vous croisez les doigts, vous avez un peu de chance. Supposons que vous n'êtes pas uploadé, faut pas perdre espoir. Hein. Moi, j'ai commencé comme ça, hein. En difficulté aussi, hein, faut pas croire que dès ma première vidéo j'ai été uploadé sur Code QG, hein. Je vous expliquerai un petit peu comment ma chaîne YouTube par la suite a commencé. Dès que vous êtes uploadé, par contre, ce qui est important, c'est que au moment où vous avez l'upload sur Code QG, sur votre chaîne principale, il faut sortir une grosse vidéo qui va vraiment donner envie aux abonnés de Code QG de s'abonner tout simplement à votre chaîne et de rester actif. Ça, c'est vraiment important. Donc voilà, sortez une grosse vidéo après l'upload sur Code QG. Voilà mes conseils que je peux vous donner. Franchement, faites pas ça pour l'argent, YouTube, vraiment, ne faites pas ça pour l'argent, et je l'ai jamais fait pour l'argent. À vous dire que sincèrement, c'est pas un mensonge, je savais pas au début, quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, qu'on pouvait gagner de l'argent comme ça, tout simplement, en faisant des vidéos. Donc tout simplement, voilà, s'il y en a qui gagnent de l'argent en faisant des vidéos, bah, je leur souhaite que ça, hein. Franchement, si c'est par amour qu'ils font ça, bah, c'est une très bonne chose. Si c'est vraiment que pour la thune, parce qu'ils ont des bons contacts, je trouve ça un petit peu plus dommage. Voilà, donc ça, c'est mes conseils pour bien commencer sur YouTube. Se donner au maximum, faire ça par amour. Maintenant, le deuxième sujet que j'aimerais évoquer, bah, en votre compagnie, déjà, je pense qu'il y en a qui aimeraient bien savoir comment ma chaîne YouTube
à commencer. Alors c'est simple. Alors là c'est une longue histoire et vous allez me dire mais pourquoi tout à coup t'as envie de nous parler de ça? Simplement parce que je l'ai raconté à quelques personnes de ma team cette histoire. Ils ont trouvé ça passionnant et m'ont dit bah tu sais dans une de tes vidéos tu devrais pas te gêner et en parler. Je pense que les gens aimeraient bien. Donc je me suis dit ok bah on va tenter hein, rien à perdre. Alors ce qu'il faut comprendre c'est qu'au début j'ai un des meilleurs amis à mon frère, Amazing Shot HD. Nous a un petit peu montré qu'on pouvait faire des vidéos sur YouTube, puisqu'à l'époque, moi je suivais les trois youtubeurs maintenant les plus connus, Diablo X9, Monsieur le V12 et Beastmode 3, qui ont trois styles différents chacun. Et puis je me suis dit, vas-y, mais moi je vais me lancer un petit peu dans les vidéos, grâce au meilleur ami de mon frère, j'ai compris que la meilleure qualité c'est un HDP VR, donc j'ai pris un HDP VR. Et puis j'ai dit, mais je vais pas commencer ça tout seul. Les montages, Sony Vegas Pro 10, j'avais à l'époque, je connais pas du tout comment ça fonctionne. C'est d'une complicité. Enfin, je veux dire, non, faut pas non plus être con, faut chercher des tutos, vous allez me dire. Mais j'avais beaucoup de difficultés. Et mon pote Season HDX s'y connaissait vraiment bien. Et je me suis dit, ok, bah on va commencer les vidéos avec lui. Et j'étais avec mon frère. Donc on était trois. La chaîne s'appelle The Gamers HD. Et oui, hein, ça a pas commencé sur The Frag HD. Et alors ce que je vous explique c'est que toutes les vidéos c'est moi qui les filmais puisque lui il s'était pas procuré un HDP vert. Mais le problème c'est que moi je filmais les gameplays et lui il faisait les montages, les petits réglages, il faisait un petit peu de la pub pour notre chaîne, il essayait de faire en sorte qu'on se fasse un petit peu plus connaître. C'était limite un peu du sub for sub, je vais vous le dire, on a un peu tous commencé, enfin non, faut pas commencer comme ça. Et si vous voulez, moi franchement je recommencerai une chaîne maintenant avec un petit peu l'expérience que j'ai. Je ferai jamais de sub for sub. Moi, je vous conseille pas de faire de sub for sub. Non seulement les gens reviendront jamais, et puis ça représente rien pour vous. Vous dites pas oui, les gars, ce mec apprécie ma vidéo. Non, il apprécie pas votre chaîne, pas votre vidéo. C'est juste parce que vous êtes abonné à la sienne que lui, il vient s'abonner à la vôtre. Donc, je trouve ça dommage. Vraiment, vous inquiétez pas. C'est pas que vous soyez jeune, que vous ayez une voix qui plaise pas aux autres. Vous trouverez forcément du public qui apprécieront du fond du cœur vos vidéos. Ça, je vous le dis. Donc. Voilà, on était à 3 et puis tout à coup, je sais pas, une période, Season HDX a complètement pété un câble. Il a dit, ouais, vous avez un HDP VR, mais vous êtes incompétent. Enfin bon, ça je peux le comprendre, hein. Vous dites pas, oh là là, dégueulasse qu'il dit sur toi. Non, c'est franchement, je l'affirme entièrement. Donc, on savait vraiment rien faire et lui savait faire beaucoup de choses. Donc, il est parti, il a changé de chaîne, il a créé sa chaîne Season HDX avec son Dazzle. Et voilà, il a commencé les vidéos. Moi, j'étais tout seul avec mon frère et je me suis dit, putain, ça me saoule, on sait plus rien faire. Donc, j'ai commencé à chercher des tutos et. Mine de rien, un truc pas cool, au moment où Season est parti, j'ai eu un gros déclic. J'ai commencé à sortir une vidéo tous les 3-4 jours. J'ai fait des vidéos de qualité. J'ai compris les montages avec Sony Vegas Pro 10 et ça m'a énormément plu. J'ai pris énormément de plaisir à faire mes vidéos. Mon frère, je lui ai dit, écoute, maintenant j'aimerais vraiment faire une chaîne solo, donc s'il te plaît pas, recrée ta chaîne, t'auras ta propre gloire, pardon. Et franchement, je te jure, ça sera vraiment mieux. Donc il a fait, bon, ok, vas-y. Alors il a créé une chaîne, lui. C'était pas tout de suite Amazing Shot HD, c'était notre chaîne. Par la suite, il a créé Amazing Shot HD. Il y a eu beaucoup de chance, beaucoup de choses, hein. Dites-vous bien que c'est pas la première chaîne forcément qui marche. C'est pas du premier coup, on est uploadé comme ça sur Code QG la même et vous êtes connu, vous arrivez à 10 000 abonnés en un jour. Non, faut être réaliste, les gens. Faut vraiment être réaliste. Il y a du boulot derrière, il y a de l'envie, il y a de la passion, il y a beaucoup de choses. Et donc, voilà, moi j'ai recréé ma chaîne, j'ai continué. Donc, j'étais avec The Gamers HD tout seul. Et je suis arrivé à peu près à 40 abonnés. Et je sais pas pourquoi. À 40 abonnés, je vais sur ma chaîne et ma chaîne s'est fait hacker. Ma chaîne est piratée. Alors vraiment, qui aurait envie de hacker une chaîne à 40 abonnés? Écoutez, je sais pas, j'ai vraiment pas envie de chercher la cause. Voilà, vous faites pas, enfin, vous faites pas d'idées en disant ah c'est lui, non c'est peut-être lui, mais pourquoi? Parce qu'il est jaloux, ton frère ou Season? Non, franchement les gens, 44 abonnés. C'est vraiment bien, c'est voilà, moi ceux qui ont 44 abonnés qui regardent mes vidéos, c'est bien, continuer. Et puis alors ce que je me rappelle en plus à l'époque, c'est qu'avec mes 44 abonnés avant que je me fasse hacker, il y avait Monsieur le V12 qui disait alors oui, je vous encourage à continuer les youtubeurs qui sont pas trop connus, qui ont à peu près 300-400 abonnés. Vous inquiétez pas, un jour vous commencerez à être connus si vous faites ça par passion, par amour. Et là je me suis dit non mais arrête le V12, tu te fous de notre gueule, 44 abonnés, c'est excellent, c'est génial, arrête, on est trop connus quand on a 44 abonnés, je peux trop, on est vraiment connu. J'étais un petit peu naïf. Enfin bon, j'avais pas vraiment d'idée ce que ça représentait 44 abonnés. À vous dire juste que vu que je faisais ça par amour et j'étais vraiment fan de faire des vidéos, j'appréciais vraiment ça. Et bah peu importe, quand je prenais 1, 2, 3, 4 abonnés, peu importe, je continuais vraiment et j'ai toujours et je continuais à faire ça vraiment. Par plaisir. Et si vous voulez que je prenne que un abonné ou maintenant j'en prends une vingtaine par jour, ça change rien du tout.
Voilà, vous êtes toujours content quand vous dites, tiens, il y a une personne de plus qui suit mes vidéos, qui apprécie mon travail. Donc voilà, moi je vous ai un petit peu donné l'histoire, le commencement de ma chaîne YouTube pour vous dire que pour être uploadé déjà sur Code QG, faut avoir un gros gameplay et le commentary qui suit derrière. Et non seulement aussi une chose super importante, c'est, je l'ai déjà dit, faire ça par amour. Et dites-vous bien aussi que c'est pas la première chaîne que vous allez créer qui va forcément marcher. Il y a beaucoup de gens, vous savez, qui ont recréé des chaînes YouTube pour repartir sur de bonnes bases et voilà. Donc, maintenant que je vous ai bien expliqué, j'aimerais évoquer un troisième sujet. Je sais même plus ce que c'est, si voilà. C'est les vues sur YouTube. Alors vous allez me dire, et je suis vraiment content de sortir après mon épisode Battlefield 3. Enfin celui-là, cette vidéo, je suis content de la sortir après la vidéo Battlefield 3 que j'ai fait avec le Faucon Noir 13. Regardez bien, normalement, au bout d'un jour, j'ai à peu près dans les 1100, enfin 1000 vues, 1100 vues, un truc comme ça. Là, sur Battlefield 3, je fais à peine 700 vues en 2 jours. Et là, vous vous dites, putain, la vache, t'as perdu 300 vues, alors que t'as eu un jour de plus, elle était un jour de plus en ligne, ta vidéo. Alors, à votre avis, c'est quoi? Il faut savoir, moi, j'ai ma propre idée. On va me dire, oui, déjà, Battlefield et Modern Warfare 3, les vues, elles s'équivaut. Hein. Exemple, sur la chaîne de Diablo X9, quand il fait du Modern Warfare 3, il a quasiment autant de vues que sur Battlefield 3, c'est exactement la même. Si vous sortez d'une charte 3, du synchro, d'autres jeux, certes, c'est un risque à prendre parce que, automatiquement, et je vous l'affirme, Call of Duty et puis Battlefield font beaucoup plus de vues, font beaucoup plus de buzz sur YouTube que Saints Row, qu'Uncharted 3, que FIFA, tout le bordel. Alors que ce sont des très bons jeux, hein, les jeux que je vous ai cités. Mais concrètement, ça fait moins de vues. Alors moi, j'ai une idée pourquoi Battlefield et tous les autres jeux font beaucoup moins de vues sur ma chaîne. Tout simplement parce qu'avec mes 6 passages sur Code QG, bah, ma chaîne en fait elle est composée que d'abonnés de Code QG que je dois énormément, enfin je dois les remercier, c'est même plus les remercier à ce stade-là, hein. C'est vraiment grâce à eux que je suis arrivé là. Et donc les gens qui sont venus s'abonner à ma chaîne c'était pour du Call of Duty puisque sur Code QG il n'y a que du Call of qui upload. Donc c'est pour ça que j'ai jamais la sûreté, hein, quand je upload, je demande le enfin je upload pardon du Battlefield, du Uncharted 3 ou d'autres jeux, jamais la certitude que les gens vont cliquer sur ma vidéo et vont apprécier tout simplement la vidéo. Et c'est le cas, c'est un grand exemple, hein, Battlefield. Vous avez pu remarquer que j'ai fait énormément de vues en moins par rapport à du Modern Warfare 3. Voilà. Après, si c'est du Call of, c'est sûr que les nouveaux Call of Duty feront beaucoup plus de vues que les anciens Call of Duty. Ça part du principe. Enfin, je veux dire, c'est normal. C'est normal. Code 4, Black Ops fera moins de vues que Modern Warfare 3 parce que tout le monde, je veux dire, tout le monde est parti sur les nouveaux jeux. Alors après, c'est vrai que Modern Warfare 3 fait rager beaucoup de personnes qui retournent sur d'autres jeux. Mais concrètement, et c'est pas, j'ai plein d'exemples, les nouveaux jeux, les nouveaux Call of font plus de vues que les anciens et Call of Duty en règle générale fait plus de vues que Saints Row, que Uncharted 3, FIFA et tout ça. Et après, sincèrement, j'aurais commencé ma chaîne YouTube. Je serais jamais passé sur Code QG. Voilà. Concrètement, je serais jamais passé sur Code QG. J'aurais sorti aucune vidéo de Modern Warfare 3, que du Battlefield 3. J'aurais 800 abonnés, j'aurais mes 800 vues de Battlefield 3. Normal, puisque les gens sont venus s'abonner pour du Battlefield 3. Ils se seraient abonnés pas grâce à Code QG, grâce aux vidéos que j'ai sorties sur Battlefield 3. Et voilà pourquoi. Mais sachant pardon, que je suis passé sur Code QG pas mal de fois, les gens qui viennent sur ma chaîne, c'est pour du Call of Duty. Donc voilà, je vous ai parlé de trois sujets. La vidéo va encore durer un petit peu de temps. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est des épisodes où je parle le plus. Donc vous m'entendez parler. Moi je commence à être essoufflé, j'ai plus de voix, je fatigue. Juste qu'est important de savoir. Alors j'avais une idée. J'aimerais vous faire participer aussi dans cette vidéo. Donc ça, comme je vous l'ai dit, c'est important de me dire les prochains sujets que vous aimeriez que j'évoque. Pour le deuxième épisode et pour les futurs épisodes que je vais sortir sur ma chaîne, me dire ce que vous appréciez, que vous apprécierez que je parle. Donc moi je pensais, si vous voulez que je vous donne des conseils, par exemple pour commenter, hein, je sais pas, ou par exemple si vous voulez que je vous parle du partenariat Machinima ou des différents partenariats qu'il y a sur YouTube, combien tel YouTuber, enfin on peut se faire d'argent sur YouTube, c'est des choses qui sont importantes que certaines personnes sachent puisque je m'y connais. Voilà, dites-le moi. Alors ce qui est important, c'est pas par exemple, supposons que vous êtes d'accord, vous voulez que je vous parle par exemple, je sais pas, du partenariat. Bah, si quelqu'un dit, moi j'aimerais que tu nous parles du partenariat Machinima ou du partenariat, enfin, de tous les partenariats qu'on peut avoir sur YouTube, j'aimerais juste que, si vous arrivez, vous êtes d'accord avec ce gars-là, ne recopiez pas un message et dites, oui, moi je veux le partenariat sur YouTube, mettez plutôt un pouce vert à son commentaire, comme ça, moi je le vois, le gars il est en top commentaire, et je sais que ça sera le prochain
sujet, j'arrive plus à parler. Je vous dis, parler comme ça 16 minutes non-stop, c'est galère. Donc voilà, plutôt mettez des pouces verts sur les commentaires auxquels vous êtes d'accord, plutôt que de répéter le commentaire du gars en disant oui, voilà, moi je veux que tu me parles du partenariat qu'on peut avoir sur YouTube, combien d'argent on se fait sur YouTube. Voilà. Donc, voilà, là vous avez un gameplay sur Black Ops. Le principal dans ces épisodes, comme je vous l'ai pas dit, c'est pas de vous parler particulièrement du gameplay. Vous aurez différents Call of Duty sous les yeux, hein, différents gameplays de Call of, que ça soit du Black Ops et tout ça. Dites-moi sincèrement si vous voulez que je continue ces épisodes. Donc ces épisodes, je vais vous dire à quelles conditions je vais les continuer. Déjà au nombre de vues, hein, s'ils font les vues habituelles de mes vidéos, comme des live face commentary, des commentaries en live, des tentatives mob et tout ça. Si il a pas mal de pouces verts, si voilà les gens apprécient, si j'ai plusieurs commentaires, plusieurs personnes qui participent au projet en me disant bah voilà, moi je trouve ça que c'est une superbe idée, moi je te conseille de faire, moi j'aimerais bien que tu parles de telle chose. Si vraiment tout le monde participe activement, si tout le monde se donne à fond dans la vidéo, je vous promets, vraiment je vous garantis que je continuerai ces épisodes. Donc c'est vraiment à vous de me montrer si vous aimez ces épisodes et que vous voulez que je continue à les faire. Voilà, donc on va arriver à la fin de ce gameplay. Vous voyez que là j'ai quand même sur ce gameplay débloqué mes chiens, mon Yui, tout ça. Bon, je me suis fait cuter bêtement. Je vais finir, je vais pas vous spoiler le score comme ça d'un coup, c'est la fin. Donc voilà, je voulais vraiment finir le gameplay de Black Ops avant de vous laisser. N'oubliez pas de mettre les commentaires, de me donner des sujets pour les prochains épisodes, de mettre des pouces verts, la vidéo en favori, de me montrer si vous aimez ces épisodes. Et je vous dis ciao tout le monde.